Amen.
Mdia. Parce que tu es en train de nous suivre. El Abel Miakbom. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Waira Maufan Kol Mdia. Qui a veillé sur nous toute la nuit. Et Yama Ikekbom Yata le Same. Et qui nous a accordé la grâce de voir ce merveilleux jour. Et au Trame Nouvevenami Webem Yakbom Kekenyuya. Alléluia. Amen. Comme toujours. Nous sommes là encore ce matin pour écouter la parole de Dieu et prier ensemble. Et ce matin particulièrement, je voudrais nous entretenir sur le terme « une porte de bénédiction ». Une porte de bénédiction. Merci pour l'interprétation. Yaira Bagbo de Ka, vraiment, parce que il y a plusieurs portes de bénédiction. Et nous allons parler de l'une ce matin. Et cela va nous amener à lire le psaume 41, le verset 2 à 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Verset 4. L'Éternel le soutient sous son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen. Amen. Psalmo bla neva de kelia kupi eve choiden elia. Wajra amesi lia fode hiaton. Yehoa adele jogbe voyi. Yehoa akba eta eye wahwede agbe. Ne wanyone le anyigbaji. Matue ade asina epe futope adawawo o. Yehowa akpede un le dobaji. Ne ele dolemla atro epe abaji nono. Bubui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ey melen koule Bible anwa. Quand je considère la Bible et mes expériences personnelles dans la foi chrétienne jusqu'à ce jour, je peux affirmer que pour être béni, il y a certaines choses à faire. Et quand tu fais ces choses-là, cela ouvre des portes de bénédiction. Après ma conversion, j'ai cru que c'est par la prière, le jeûne et la prière, l'éveil de prière, que Dieu ouvre les portes de bénédiction. Et à cause des enseignements que j'ai déjà suivis, j'ai cru comprendre que quand on parle de bénédiction, l'on parle d'argent, l'on parle de richesse. Et les jours passaient, les années passaient, j'ai fini par comprendre que quand on parle de bénédiction, c'est quelque chose de plus vaste, c'est sans limite. Et nous y a meillé David et tout, et au choc pour nous y a les psalmes pas par les étapes, alors les blancs ne volent qu'à y a mais, et on vous se souvient y a mais ben n'adolé, mais attends moi ben, mais pas si, mais pas mais ne veut mais pas y a ira ou à quoi le mien. C'est la même expérience David a faite. Et il nous exhorte dans ce passage du psaume 41 qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire qui puisse attirer la main de Dieu sur nous. Et nous, David, le mien fiam, le tepe yanyebe, mia tchot del lemena, nous donnons. Ce que David nous enseigne ici, c'est d'être concerné par la situation des nécessiteux. Par ces temps que nous traversons, par les événements qui se produisent autour de nous, nous les chrétiens, nous sommes aujourd'hui dans la logique de Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi, je veux réussir, je veux, je veux, je veux.
veut, sans considérer les autres autour de nous, sans nous inquiéter de ce qu'ils sont en train de vivre, sans voir leur situation et en être concerné. Particulièrement à toi. C'est vrai qu'il y a eu un temps où les choses marchaient pour toi. Tu as été béni, tu as obtenu la bénédiction de Dieu. Mais depuis quelque temps, tout semble être bloqué. Et tu es en train d'accuser le diable. Non, c'est parce que toi-même, tu as abandonné quelque chose que tu devrais faire et qui devrait attirer la bénédiction. À cause d'enseignements iniques, à cause d'enseignements et de doctrines infondées, il y a des choses que nous faisions qui attiraient la main de Dieu sur nous. Aujourd'hui, nous ne les faisons plus. Je prie que la grâce de Dieu apporte une compréhension nouvelle à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Aujourd'hui, à cause de l'attitude de beaucoup de personnes, ce dont nous sommes en train de parler ici, plusieurs parmi nous ne le font plus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se promènent. Même les chrétiens se promènent de maison en maison, de frère en frère, quémandant. Et quand tu leur donnes ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de toi, l'histoire qu'ils t'ont racontée, tu te rends compte à la fin que l'argent ou le bien que tu lui as donné n'a pas servi à la destination à laquelle il était prévu pour être utilisé. Et cela fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à soutenir leurs frères. Certaines personnes viennent vers toi pour une première fois, te disent « Ah, tu sais, j'ai des difficultés, est-ce que tu peux m'aider avec 10 000 francs ?» Compliqué pour toi, tu lui donnes les 10 000 francs, deux, trois jours après, il revient, c'est avec une histoire de 20 000 francs. Et certains ont carrément refusé de travailler. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul enseigne que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Aider le nécessiteux ne doit pas nous amener tous à devenir nécessiteux et à refuser de travailler. Le nécessiteux doit faire l'effort. Aujourd'hui, je suis nécessiteux, mais il faut que demain, je devienne quelqu'un qui a les moyens, qui peut aider moi aussi les autres. Au lieu d'être tous des nécessiteux, nous promenant de frère en frère, de maison en frère, de maison en maison, demandant de l'aide, il faut qu'à un certain moment, nous soyons tous à un certain niveau où nous en avons un peu pour aider les autres. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu nous aide ce matin à comprendre ce message. Ce message ne nous encourage pas là à demeurer dans la pauvreté.
Oh, alléluia. Amen. Proverbe 19, verset 17 dit: Lododo tawia sheke kukuya sheke agblobe. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Lododo tawia sheke kukui. Oui, André. Biblia globe, amasi ve ameda henula, eto nu banana Yehoa. Qui lui rendra selon son œuvre. Eye wado epenu owo tepene. Oh, alléluia. Amen. Avoir pitié du pauvre, c'est un prêt que nous faisons à l'Éternel. Nenyebe ameda hebenu onu blanuinawa, eleko abe, efeyen mauni dodekwa ou. Et l'Éternel rembourse toujours ses prêts, ses dettes. Yehoa efeme chinantio, akefeyano godo. Il dit, de qui suis-je débiteur? Tout m'appartient, je le paierai. Oh, alléluia. Amen. Nous savons ce qui se passe. Et beaucoup ne sont plus encouragés à soutenir. Mais Dieu m'envoie ce matin te dire, ne bloque pas ta propre bénédiction à cause du comportement des autres. Mais le peu que tu pourras faire, fais-le avec amour et joie. Au nom de la parole de Dieu, obéis à cette parole. Et tu vas voir que Dieu va ouvrir encore d'autres portes. La faveur de Dieu viendra sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Nous pouvons voir six choses importantes, six bénédictions dans le texte que nous venons de lire. La Bible a coupé que mi là, mi celui qui se soucie du pauvre, celui qui s'intéresse au pauvre, celui qui aide le pauvre, la Bible énumère six bénédictions ici. C'est le, la liste n'est pas exhaustive, c'est dans ce contexte-là seulement. Biblia lena ya ira vovovo amade manya madia ko gakete peya amade ma ko chodongo. La première chose qui arrive à cette personne, et nous battons Ivana mama quoi, il est toujours délivré du malheur. Il sera délivré au jour du malheur. Vous savez, il y a certaines choses, ce n'est pas la prière. On peut programmer des malheurs contre toi, mais en posant de tels actes avec amour envers des frères, des sœurs en difficulté, même des inconnus, le ciel peut devenir à ton secours et te délivrer de tout malheur. What kind of for them to what do I say, daddy? Make the fun keke a mia to for a phone pe Christo toya. Vanin yaba wo Christo to a tank penada novi Christo to yole ya memti a tank penada meta. Deuxième chose, il sera gardien et conservera la vie. Mau alle bene, ayez pas bela, mau alle nete. Oh, alléluia. Amen. Puisque ceux à qui tu donnes
Est-ce qu'ils sont animés de la joie? Ils vont commencer par parler en bien. Et en parlant en bien, en vérité, ce sont des prières qu'ils adressent en ta faveur sans que tu ne le saches. Eux-mêmes ne le savent même pas. Amen, yo, que ne vois-nous une là? Oni wowo a heji jo popo va pa gbeme e ni o le opo tijo po ma enye igbedodo dawo le chodo de maugbo be mau na nyo do me na o won to me nyo wo won to ha wo me nyo kaka eya enye igbedodo da ike wo wodo de maugbo ça vous avez dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous donnez, c'est ce bonheur que vous vivez de façon inconsciente. Eh ya mti biblia globe ya ira le nana me wu kho me Minya, nenye be minna nwa, jijo ike dotuwa meya, eye enye gbedodora ike imau ba, to ame ike ne wanyuina, ba, eye mau adu emti do dek ba wo. Oh, alleluia. Amen. Troisième chose, il sera heureux sur la terre. Enu tolia, anyone le anyibaji. Combien ont perdu le bonheur aujourd'hui? Amene ni oe me kanyo le nyona ike. Il ne faut qu'amasser, amasser, amasser, amasser. Même ceux qui travaillent chez ceux-là, il est folle. Ils s'enrichissent au dos des autres. Amen ya otobi wo boga dadi wo le liko dadi e gadro su to koko le o pe kontu o ti le o pa fome amen yo le do wom na ogo hala wo ma sena fena me o wo le do ame o le do wom e ya le kesino nu pam e le kesino nu o fotem dadi et puisqu'ils ne sont pas riches pour Dieu et pour les autres hey wo nye be o pe kesino to nye nye me nye ma uto o nye e yi me lina me ma me o ta e yi wo o pe susu kwe nye be o ne sopona ne sopona la Amen yawa, wo me dia popo gbede o. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas être heureux. Aye le yata, ma jeji na popo gbede. Moi j'ai constaté lorsque vous aidez les gens et que les gens sont en paix, les gens sont contents et que vous côtoyez ces gens la plupart du temps vous-même vous avez une paix intérieure qui vous anime. Minya, ma ba de jeji na ne ne ekede amomti. Aye ne lipo ne never mo wo pe jijo popo a ahemti fa fa toke de va ojime. Supposons que vous avez aidé un frère en difficulté, un orphelin, et puis il a reçu le bac, et puis aujourd'hui il est en train de travailler, il est devenu un cadre quand vous le regardez. Il y a une joie qui vous anime parce que vous avez su aider quelqu'un à arriver à ce résultat. Pardon, mais... Ekpede devi demti le pas sukupe nyaume eye devi ya hobak eve ji dode egbe ha va zwa me gade le tepe de ne le po devi ya ye pe dijo popo a dijo popo plenty fa fa ve na wa c'est ce que ce verset dit il sera heureux sur la terre eye e bible ya le gbro le tepe ya be anyone le anyigbaji veux-tu être heureux Dene tibe wa nyonaya. Apprends à soutenir les pauvres. Sro aleke na kpede ameta heum. Quatrième chose. Enu nelia. Il sera préservé de ses ennemis. Mauma tue atasina epe futo. Dieu va te délivrer de la main des méchants, des sorciers à cause de ses actes. Le enu wawo yata. Le kpekpede unana ameta heo ple yato omea. Mau awebe. Ma de asile mti obede. De wo futo ple amewa dao basio. Tu complot forge. Contre toi échouera forcément. De nom des siens de Wawodem Tiola, ma femme. Parce que Dieu a besoin de toi encore pour soutenir et aider d'autres personnes. Et la belle Maugale au Yambe à Totio, à Pédame Boubou Omti, à Deolope Yam. Même dans Romains chapitre 12, les Romains Topak Baletamie Véaman. La Bible dit que même si nous faisons ça même à nos ennemis. Biblia globe ne mie le ya wom na mie pe futo ce sont des charbons ardents que nous amassons sur leur tête et ya so exoka mie le loko de fe ta ça veut dire que même ces ennemis là même si ils t'attaquent eux même ils seront victimes et de fiabe ne nye pe futo ya ho abadem ti wa wan to wa je o pe mo c'est un combat nous n'avons pas besoin de les faire minya abade o li ya me yan to be ça il suffit juste de poser certains actes et ne no ko le be mie wo et Dieu lui même envoie les anges combattre à notre faveur La nature même vient à notre secours. Dieu engage les éléments de la nature pour défendre notre cause. Je prie que Dieu ouvre ton entendement pour que tu puisses comprendre. Il y a des prières que nous faisons aujourd'hui, sont des prières inutiles. Tu es fatigué, des pertes de temps. Et tu veux partir même, tu veux abandonner. Le peu que tu as, apprends à soutenir les autres. Cinquième chose, il sera soutenu pendant les épreuves.
Oh, alléluia. Amen. Dans les épreuves là, tu es soutenu. Dans les difficultés, tu es soutenu. Non seulement soutenu par Dieu, mais soutenu par le Saint-Esprit. Soutenu par Jésus-Christ. Soutenu par les hommes. Soutenu par la nature. Tu es soutenu partout. Alléluia. Amen. Et la dernière chose, et nous, il sera soulagé lorsqu'il passera par la maladie. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Verset 4. En posant de tels actes, des fois même certaines maladies qui devaient t'amener à la mort, qui te sent que tu ne comprends rien, tu ne gaspilles pas ton argent pour aller à l'hôpital, tantôt 50 000, 100 000, 200 000, et puis on va même te faire des prêts pour te faire traiter. Non, non. Gardez-vous, mais donnez-les à de l'avant. Dieu te bénisse où que tu sois. Afin que tu obtiennes la compréhension de ceci. La parole de Dieu est la vérité. Même religion, d'une façon ou d'une autre. Quand vous observez bien ce principe, vous constaterez qu'il est appliqué dans presque toutes les religions d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas bien cela. Ou ils l'ont bien compris, mais à cause de l'attitude des gens autour d'eux, ils ne peuvent pas se comporter. Mais je voudrais t'encourager à faire ce que Dieu te demande de faire. Fais-le de joie. Fais-le dans la mesure de tes moyens. Tu ne le dois à personne. Personne n'a le droit de venir te le réclamer. Mais fais-le selon la parole de Dieu. Et pour nos frères qui sont dans ce genre de situation, je vous encourage vous aussi à trouver quelque chose à faire. Ne restez pas dans la pauvreté. Ne demeurez pas dans votre situation en accusant les autres. Ils ne m'aident pas, ils ne me font pas ci, ils ne me font pas ça. Non. Tu ne dois pas te réjouir de ton état de nécessité. Et rester dans la situation et accuser les autres. Non. Toi aussi, bats-toi. Et sors de la situation. Mais pour ceux à qui Dieu a fait la grâce, aidons les autres. Au nom de Jésus, tu es béni. Blanc, béillet, soignant.
Matin pour ta parole, merci pour cette porte qui est ouverte dans nos vies. Par ta parole ce matin, nous prions pour tous ceux qui sont découragés, parce que harcelés par-ci, par-là, Seigneur mon Dieu, découragés par les mensonges, par des scènes montées de toutes pièces, Seigneur, nous prions ce matin afin que ta main puissante vienne sur eux, Seigneur, et qu'ils soient libérés, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est vrai, ils ont raison, mais pas raison devant ta parole. Nous prions que ta grâce les visite maintenant, afin que cette grâce qui leur a été accordée, Seigneur, soit bien utilisée, soit bien exploitée, et que cette grâce soit bénéfique, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont autour de leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pendant qu'ils sont en train de faire, que tu puisses les bénir au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce qui a été mentionné, les 6 points qui ont été mentionnés, Seigneur mon Dieu, Papa, dans le chapitre, dans le nombre 41 du psaume, Seigneur mon Dieu, nous prions que cela soit leur partage, Amen. Que cela soit leur lot au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, étends ta main en faveur, Seigneur mon Dieu, de toutes ces personnes engagées, Seigneur, à soutenir et qui soutiennent les indigents, les veuves, les orphelins, les malades, Père, les pauvres. Nous prions maintenant que, Seigneur, tu étends davantage leurs limites, oui, que tu les bénisses davantage, Seigneur, oui, que tu leur donnes davantage de grandes visions, Seigneur, oui, que tu les protèges, Amen. Et que tu combattes en leur faveur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. Pour nos frères en difficulté, nous prions aussi pour eux, ceux qui ont la possibilité de travailler. Seigneur, encourage-les, fortifie-les, pousse-les, pousse-les, Seigneur, à travailler au nom de Jésus. Que personne de nous n'accepte, Seigneur, de vivre dans la pauvreté, de se plaindre, de se lamenter, mais plutôt dans le nom de Jésus, que nous cherchions, Seigneur mon Dieu, à nous épanouir en toi, parce que tu as tout, nous avons tout aussi pleinement en Christ Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour l'abondance que tu donnes et merci pour la visitation. Merci Seigneur mon Dieu de pouvoir en cette fin, en ce début Seigneur mon Dieu, en cette proche Seigneur mon Dieu de la rentrée Seigneur mon Dieu, nous prions au nom de Jésus que Seigneur mon Dieu, tu ouvres les portes Seigneur, afin que ceux qui ne pouvaient pas reprendre Seigneur les études cette année puissent reprendre au nom de Jésus. Ceux qui Seigneur sont en quête et ont besoin Seigneur de formation, Père, nous prions que les portes s'ouvrent au nom de Jésus, Amen. Afin qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur formation pour la gloire de ton nom. Nous voulons te dire merci encore ce matin pour ta présence qui nous a fait du bien. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Dieu vous bénisse. Maouna Yirami. Passez une bonne journée. Que Allah te dans la présence du Seigneur. Le Maouna Yirami. Amen.